on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes quelques cadeaux d'anniversaire. Ma fête, c'était le 11 novembre, donc oui, je suis un petit peu en retard dans ma vidéo, mais je vais jumeler anniversaire et Noël. Donc, pour commencer, de la part de mon chum, il m'a acheté mon fameux calendrier de l'Avent / 2020. Donc, d'habitude, je le reçois quand même en avance et je vous fais déjà les vidéos, mais là, je suis un petit peu en retard cette année. Donc, je vous fais les vidéos et vous allez avoir les vidéos pour le reste du mois de décembre. Ensuite, de la part de ma mère, elle m'a acheté un congélateur, donc je vous laisse quelques photos parce que j'ai pas le congélateur avec moi, genre à l'appartement, je veux dire, on n'a pas de place dans la chambre. Ensuite, de ma belle-maman, elle m'a fait un fleur double, comme ceci, rouge. Voilà. Et je vais vous mettre une photo de la tuque qu'elle va m'avoir faite et de d'autres pantoufles longues. Voilà. Ensuite, de ma belle-sœur, j'ai reçu. Oui, oui. Cette magnifique robe. Voilà. Donc, je ne l'ai pas encore essayée, mais je la trouve vraiment magnifique. Puis, je vais pouvoir la mettre cet été. Et ensuite, de mon beau-neveu, il m'a acheté des genres de Twister, je pense qu'on appelle ça. Là, genre les trucs à roulettes là, que les jeunes, dans mon temps, on avait quand j'étais genre au secondaire. Et il m'a acheté le premier livre des Harry Potter. Je suis pas une grande lectrice, mais on va essayer de se forcer pour lire. Donc, on se retrouve très prochainement pour la suite de mes cadeaux, soit d'anniversaire ou soit de Noël. Et je vous dis à tantôt! Allô tout le monde! Je vous souhaite une très belle année 2021. Oui, je sais, je suis légèrement en retard pour cette vidéo après un mois et demi d'absence. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai changé un petit peu de décor. En fait, je suis revenue chez moi. Donc, aujourd'hui, je vous poursuis ma vidéo de mes cadeaux de Noël. À vrai dire, il y avait la première partie cadeaux d'anniversaire, mais que je vais jumeler ensemble vu que j'ai pas eu énormément de choses et que je voulais que ça fasse une vidéo un petit peu plus longue. Dans la première partie, je vais dire mon chum, mais en allant un petit peu plus dans ma vie privée, c'est rendu mon ex. Donc, pour le reste de la vidéo, les cadeaux viennent de mon ex-famille, mon ex. Donc, voilà. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes, même en circonstances actuelles. Et je vous dis, c'est parti! Donc, pour commencer, de la femme de son frère, j'ai reçu une belle paire de gants gris comme ceci et une petite paire de gants comme ceci. J'en ai une autre paire plus épaisse, sauf que je les ai laissées à l'écurie, donc voilà. Ensuite, j'ai reçu de mon ex une belle statue de cheval, voilà. Franchement, j'en trouve vraiment magnifique, voilà. Ensuite, côté tasse de ma belle-sœur, on avait reçu une belle tasse à café comme ceci. Donc, elle devient, change de couleur quand on a une boisson chaude. Donc, vraiment très mignon. Mon ex, j'avais reçu une belle grosse tasse à café de cheval. Voilà, comme ceci. Donc, je ne suis pas une très grande buveuse de café, mais je mets plus du chocolat chaud. Donc, je l'aime vraiment, je la trouve vraiment. L'année passée, je vous avais parlé de mon robot, mon blender que je voulais pour faire mes purées, tout ça. Finalement, je ne l'ai pas reçu, donc je l'ai enfin reçu cette année. Je m'en suis pas encore servi, donc de la marque Austère, comme ceci. Donc, je vais pouvoir plus facilement faire mes potages et ma popote en général, donc ça va être vraiment très pratique. Ensuite, côté pop, j'en ai reçu trois. J'ai reçu Olivia, du détective, Basile, le détective privé, donc comme ceci. Donc, les trois pop qu'on peut avoir. Donc, je la trouve vraiment, mignonne. Et j'ai eu Radican,
Donc, le méchant rat, méchant de l'histoire. C'est vraiment un vieux film, je vous dirais. Mais non, vraiment, j'aime bien le film. Et j'ai reçu une pop ride de Elsa et son cheval, donc Frozen le deuxième. Voilà, donc je vous les déballe pas parce que ça me tombe pas vraiment, à vrai dire. Donc non, ça va faire une suite de la première pop ride que j'ai eu l'année passée. Donc je vous montre le derrière. Donc bien évidemment, je veux continuer la série. Et j'ai reçu aussi ce petit coussin décoratif. Donc voilà, je le trouve vraiment très marrant. Oh. Donc voilà. Donc je m'excuse encore pour la vidéo qui est très en retard. On approche de genre la Saint-Valentin à l'heure que je tourne ma vidéo. Donc j'espère que la vidéo va vous avoir plu. J'espère que votre année 2021 va avoir bien commencé. Pour moi, ça est un nouveau départ, donc nouveau défi. Et j'espère que cette année 2021 va être mieux que l'année passée. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Pour le moment, ça va être une vidéo par semaine. Tant que sur mon temps, je n'aurai pas recommencé le saut parce que franchement, des vidéos de plat, j'ai pas grand-chose à vous montrer. Donc, à partir de cette semaine, ça va être à tous les samedis, midi, midi 30, plus ou moins. Vous allez avoir une vidéo. Et bientôt, après ça, 3 vidéos ou 4 par semaine. Donc, je vous dis à la prochaine. J'espère que la vidéo va vous avoir plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner. Et on se retrouve très prochainement dans nos prochaines vidéos. Salut tout le monde!